Dragii mei, vă invit astăzi la un interviu cu maestrul parfumier Olivier Cres, pe care cu siguranță îl cunoașteți de ani de zile. El a creat parfumuri pe cum Light, Ultra Dolce & Gabbana, iconicul Angel de la Thierry Mugler și multe alte parfumuri de la Nina Ricci și de la multe alte branduri. Astăzi este foarte cunoscut pentru propriul brand Acro Fragrance, pe care sper să aveți ocazia să-l descoperiți. Vă las cu interviul și vă mulțumesc! Premièrement, je veux vous remercier de tout mon cœur pour avoir accepté cette interview. Oui. Et pour commencer, je vous ai dit dès le début que j'ai du mal à trouver la première question, mais je pense que tout le monde est curieux. Quand est-ce que Olivier Cres a décidé de devenir parfumeur? Alors, je suis né à Grasse, à côté de Cannes, Grasse étant la capitale des parfums. Mon père était courtier en parfumerie, et mon grand-père aussi, c'est-à-dire qu'ils achetaient des matières premières et ils les revendaient. Ils étaient spécialisés dans les citrus italiens, donc bergamote, citron, orange, mandarine, grapefruit, et aussi dans les floraux grassois, c'est-à-dire les jasmins, les roses, les tubéreuses, les œillets, mimosa, etc. Et donc très vite, dans la famille, mon père nous a donné aux trois enfants le goût des matières premières et les odeurs. Il nous a appris à bien sentir les produits frais et purs, et que ce soit ma sœur Françoise, mon frère Jean et moi-même, par la suite, nous sommes tous les trois, devenus parfumeurs. Mm-hmm. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai eu cette passion très tôt. Disons qu'à l'âge de 8 ans, 9 ans, je savais déjà que je voulais être parfumeur. Mm-hmm. C'est précoce, à 8, 9 ans. D'habitude, oui. Les garçons à cet âge se jouent encore avec les autos, les voilà. Ont d'autres. Ouais, non, moi, je voulais, c'était une évidence. Je voulais devenir parfumeur parce que je pensais qu'il y avait à Grasse, comme toutes les sociétés de parfumerie travaillaient, disons, à Grasse, tous les employés travaillaient à Grasse. Je me suis dit, il n'y a qu'un seul métier au monde, c'est le métier de parfumeur. Voyez, je pensais que dans toutes les villes, il n'y avait que des industries liées au parfum. Bon. Oui, pratiquement, vous êtes aussi, vous êtes né au milieu du monde des parfums, mais aussi dans la famille. Cela était presque génétique, je peux dire. Oui, non, c'est vrai que ça a été, oui, ça a été un univers. Je pense que si mes parents avaient été médecins, je serais certainement peut-être médecin aujourd'hui. Ou si mes parents avaient été avocats, je serais avocat. D'ailleurs, mes parents, à 18 ans, quand j'ai passé le baccalauréat, ils m'ont dit, c'était ma mère qui m'avait dit, bon, on a assez de parfumeurs dans la famille, il faudrait que toi, tu sois avocat à Nice et que tu fasses des études de droit. Et je lui ai dit, franchement, défendre des bandits, des escrocs, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez? Et donc, j'avais cette forte envie de devenir parfumeur. Mon père m'a proposé de travailler dans l'affaire familiale pour vendre des matières premières, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Si j'ai le choix, ça ne m'intéresse pas. Si je n'ai pas le choix, je viendrai. Et, il a été adorable parce qu'il m'a trouvé un stage aux USA. Je suis parti 2 ans, d'abord apprendre l'anglais, apprendre la chromatographie en phase gazeuse, travailler mes premiers contre-types de parfums et puis faire un stage d'arôme alimentaire, vous voyez. Et j'ai appris quelque chose, j'ai appris beaucoup, je suis revenu avec des idées plein la tête quand je suis revenu des USA.
Oui, j'imagine bien, parce que les États-Unis, c'est tout un autre monde, une autre industrie et tout ça. Oui. Mais est-ce que vous avez eu parfois la sensation que vous auriez voulu faire autre chose? Parce que dans la vie des gens, il y a des crises quand même. On dit que surtout les hommes passent une crise à 40 ans quand ils décident de faire autre chose dans leur vie. Est-ce que vous avez jamais ressenti? Pardon? Alors, non, non, parce que lui, mon père, il achetait et vendait des matières premières, il était courtier, il m'a toujours dit, je ne sais rien faire d'autre. Et moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, je ne sais rien faire d'autre. Je sais, voilà, je suis bon dans mon métier, je suis devenu professionnel, spécialiste, mais... C'est vrai que je sais beaucoup, je ne suis pas ignorant, mais disons que j'ai passé ma vie depuis 45 ans à travailler des parfums, uniquement des parfums. Bon, après, à côté de ça, je me cultive, je lis beaucoup de livres, des magazines, etc. Je fais beaucoup de sport, j'ai une vie familiale avec mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants. Donc, j'ai une vie riche, j'ai une vie intense. Et puis aussi, on a avec ma fille notre marque de parfum Acro, Acro, qui est basée sur des Oui. animaux. Donc, j'ai une vie qui est pleinement satisfaisante et très riche. Elle est très riche, ma vie. Mais elle est autour des parfums, autour de la parfumerie, ouais. Est-ce que quand vous créez un parfum, vous avez une personne dans la tête? Et je vais vous demander plus explicite. Je pense à vos parfums iconiques qui sont Angel, Ange ou Démon. Il y a cette idée de ange. Cet ange a une représentation dans votre tête ou c'est quelque chose d'idéaliste? C'est un ange quelque part. Parce que c'est Bah, cette terminologie, cette symbolistique de l'ange que j'ai en fait, remarqué un peu. ouais, un mariage, je suis très, comment dire, oui, je fais attention, je fais attention aux signes. C'est vrai qu'il y a toujours, il y a toujours un sens dans la vie. On fait pas, je pense pas qu'on fasse les choses par hasard. Et je suis superstitieux aussi, très superstitieux. Et donc, je pense qu'il y a un bon ange au-dessus de ma tête qui est là pour me protéger, certainement. Et que des parfums comme Ange ou Démon, Angel, voilà, ou même pendant toute ma carrière de parfumeur, j'ai certainement eu des jolies fées bienveillantes ou bien des anges qui m'ont protégé. Ouais. C'est bien. Et de même, j'ai remarqué un grand, disons, antagonisme entre Angel et Light Blue. C'est tout à fait, je peux dire, polarisant. Donc, dans ma tête, j'imagine pas que la personne qui crée Angel peut créer aussi Light Blue. Je les trouve tellement différents. Et ça représente des étapes dans votre travail comme parfumeur, Peut-être, comment dire, peut-être. des certaines inspirations que vous avez voulu mettre en place. Je pense à la Maria, c'est au cours de ma vie, j'ai progressé dans mon style de créer des parfums. Je pense que ce sont des étapes. J'avais compris qu'en 1992, dans les années 90, 91, 92, quand je travaillais sur Angel, je savais que c'était un parfum de contraste. Il fallait que je fasse un parfum de contraste, d'accord? ouais. Et le parfum, ce parfum de contraste, voyez, il est bleu, donc on attend quelque chose, un parfum très froid, très glacial, très aqueux, etc. Et en fait, non, c'est tout l'opposé. Et on pense que ça peut être un parfum
romantique ou très, très féminin. Non, c'est un parfum qui est hyper sensuel. C'est que des contrastes. Il y a une double lecture. C'est comme quand on voit un film, quand on lit un bouquin, un livre. Il y a toujours un double contraste. Voilà. Et quant à Light Blue, on n'est pas du tout sur un parfum de contraste, on est sur un parfum très latin. J'ai essayé d'explorer les pistes de Dolce et de Gabbana. Bon, c'était la Sicile, c'était le sud de l'Italie. Eux vivent là-bas. Moi, j'ai essayé, à travers les voyages que j'ai pu faire, si vous voulez, j'ai essayé de reproduire ce qu'était la Dolce Vita en Italie. Voilà, la joie de vivre. Et en fait, souvent, j'écoute un peu comme un psy, j'écoute les créateurs, où j'essaie de m'imaginer ce qu'ils aiment et j'essaie de le reproduire d'une façon figurative. Parce que ma parfumerie, elle est figurative, elle n'est pas abstraite. Vous voyez? Donc, c'est comme un tableau, on le voit, si c'est un tableau avec des coquelicots, bon ben voilà, j'essaie de reproduire l'odeur des coquelicots, ou l'odeur des pivoines, ou l'odeur des jasmins. Toujours, j'essaie d'être toujours au plus près de ce que je veux faire. Prenez dans mes parfums accros, le premier parfum que j'ai fait, c'était Haze. Et Haze, c'est du cannabis. Ce matin, j'étais avec une journaliste au téléphone, on a parlé de ce parfum. Elle m'a dit, mais c'est fou, parmi tous les parfums cannabis du monde, le tien, il est vraiment très réaliste. Et je lui ai dit, oui, j'ai essayé de reproduire l'odeur du cannabis. Et après, il faut que ce soit portable, en faire un parfum unisexe, puissant. Voilà. Après, il y a l'idée et il y a la technique. Il y a l'idée et il y a le style, toujours. Il y a un autre parfum que je vois qu'il est très recherché par les personnes qui aimaient les parfums d'autrefois, c'est Midnight Poison de Dior ou Gloria de Cacharel, C'est vrai. qu'on ne trouve plus. Pourquoi on ne le trouve plus? Est-ce que vous avez l'intention de les rééditer, peut-être, je ne sais pas. Chez Acro. Peut-être. Anna Maria, c'est une bonne question. Moi, je ne suis que le fournisseur, le créateur des parfums. Mais on travaille pour des marques et des clients. Ils ont des stratégies de développement. Et à un certain moment, ils misent de l'argent sur Gloria. Et puis après, ils disent, c'est peut-être un peu trop difficile à vendre parce que c'est peut-être un peu clivant, un peu segmentant, un peu polarisant. Et donc, ils se disent, non, on ne va pas investir. C'est eux qui décident. Alors, effectivement, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'internautes, beaucoup de gens sur Instagram, LinkedIn, qui me disent tous les jours. Gloria, est-ce qu'on peut l'acheter? Est-ce que vous pouvez le retravailler? Peut-être que, oui, peut-être que, comme il est discontinué, peut-être que Gloria, je pourrais l'utiliser peut-être un jour pour un de mes parfums, une nouvelle idée. Il faudrait que ce soit aussi une addiction. Et puis, il y a des parfums, oui, comme Midnight Poison, qui est un superbe parfum, très riche, un joli chypre. Rosé, avec beaucoup de mousse, très italien, très très italien. Il y a des stratégies, encore une fois, de la part de nos clients, c'est eux qui décident, c'est pas nous. Et je respecte nos clients, je serai bien moins bon qu'eux pour prendre des décisions, donc je leur fais confiance. Ils sont dans des stratégies de lancement de parfums et ils investissent sur les parfums qui marchent très bien. Et voilà, il y a d'autres parfums. Vous voyez, j'ai participé au Black Opium de Saint-Laurent, j'ai fait mon Paris de Saint-Laurent. C'est des parfums où je fais des flanqueurs chaque année. On fait des flanqueurs chaque année parce que c'est des parfums à fort potentiel. Voilà, quand les piliers sont très forts, derrière, on peut lancer des flanqueurs. Oui, c'est vrai, Black Opium et Mon Paris, c'est partout, c'est tout le monde en a, tout le monde en porte.
Mais quand même, on nous manque, il nous manque vraiment Midnight Voice, Gloria. Même Ça, avant l'interview avec vous, je parlais avec quelqu'un sur Midnight Poison. On ne trouve plus. Effectivement, on ne trouve plus. On trouve chez des collectionneurs, mais c'est très, très cher. Il y a des centaines d'euros pour une toute petite bouteille. je l'ai fait en 2005-2006 Oui. et il a marché quelques années et voilà, mais oui, est-ce que je pourrais reprendre Midnight Poison? J'aurais peut-être plus de facilité à retravailler un Gloria qu'un Midnight Poison. Mais il y a plein de parfums sur du passé que je pourrais moderniser, un peu comme des chanteurs qui ont une chanson extraordinaire et puis avec un rythme différent, tout en respectant les paroles, ils font des nouveautés extraordinaires. Oui. Je peux avec des nouvelles molécules. Ce qui me manque, c'est un peu le temps de retravailler toutes ces belles idées. Oui, c'est vrai. Et parce que vous travaillez sur le temps, combien de temps représente le travail pour un parfum? Et quand est-ce que vous vous rendez compte que c'est fini, j'arrête? Ça, c'est le Alors, parfum. bonne question, Anna-Maria. En fait, généralement, il faut 2 ans. On travaille 2 ans sur un parfum. Et puis, quand on arrête de travailler dessus, il sera lancé 1 an après dans le commerce. Alors, il y a des parfums aussi qu'on peut travailler pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça dépend. C'est un métier de passion, mais c'est un métier de patience. Il faut être patient. Parce qu'il faut trouver le bon créneau au bon moment pour lancer le parfum en question. Qui décide que c'est fini? Chez Zacro, dans ma marque de parfum, c'est moi qui décide. Je dis, maintenant, je stoppe. Je stoppe pourquoi? Parce que je reçois des très bons commentaires au porté, quand je fais porter mes jus à plusieurs personnes. Et quand ils ont 5-6 très bons commentaires dans la journée, je dis, OK, we stop. OK, on va pas aller plus loin, on ne complique pas. Quand je travaille pour des grands groupes internationaux, eh bien généralement, c'est les tests qui confirment si le parfum est bon par rapport à des benches à gagner. Et ensuite, c'est le client en fonction, c'est le directeur marketing ou le directeur général de la marque qui, en fonction des lancements, en fonction de... Si vous voulez, de la trésorerie qu'ils ont, ils peuvent investir ou pas. Mais disons qu'ils ont là aussi une stratégie de lancement et c'est eux qui disent, ils ont un rétro-planning. Ils disent par exemple, aujourd'hui, on vous fait travailler tel grand féminin, tel grand masculin. OK, on va travailler pendant 2 ans, c'est-à-dire 2022-2023. On va s'arrêter fin 2023, il va être lancé 2025. Vous voyez? Donc, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, on travaille les jus pour 2024-2025. Sortie nationale 2024-2025. C'est les clients qui décident là, dans ce cas-là. Pour les petites marques niches, c'est nous-mêmes les créateurs. Mais pour les grands parfums, c'est très étudié, hein, évidemment. Parce qu'il n'y a pas que nous. Absolument. Il n'y a pas que nous. Il y a les concepts à trouver. Il y a la pub. Il y a aussi les designers qui vont faire les flacons, les packaging, tout ça, c'est très millimétré. Oui, absolument. Mais parce que vous avez mentionné plusieurs fois accro, et c'est à ce sujet-là que je veux vous demander si vous sentez une sorte de libération quand vous travaillez pour votre marque en comparaison avec le travail pour d'autres marques. La démarche est différente, vous vous sentez plus à l'aise pour travailler pour vos parfums, en fait. En fait, c'est une bonne question, Anna-Maria. En fait, je peux prendre des gros risques parce que c'est ma marque, c'est moi. On est 5 ou 6 dans la société. Je sais que pour exister, il faut être différent. Pour surfer sur la vague, il faut être vraiment, vraiment
différents au niveau du concept, différents au niveau des parfums. C'est des parfums qui cassent les règles du marché international. Je prends vraiment, j'ose, I'm daring, j'ose vraiment lancer des parfums risqués, polarisants. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas de plaire aux 98%, c'est de plaire aux 2% des gens vraiment addicts. C'est des gens qui seront très passionnés par mes parfums et qui vont acheter et réacheter. Et mes parfums, ils se vendent très bien et les gens les achètent. Le réassort est très bon. Donc c'est moi, bon, avec ma petite équipe, avec ma fille, avec voilà, très peu de gens autour de moi, ou parfois les distributeurs North America, chinois, russes, qui vont dire tiens, on vous donne notre avis sur tel ou tel parfum, ou on aimerait que vous travailliez tel type d'odeur. Donc j'écoute et après je prends la décision de lancer ou non, et voilà, et de surdoser. Je suis dans le surdosage quand je suis en train de travailler pour ma marque niche. J'exagère. Après, quand on travaille des grands jus, il faut quand même plaire un peu partout, en Chine, North America, Europe. Et donc, je suis plus consensuel, disons un peu plus consensuel. Mm-hmm. Je ne dis pas commercial, un peu plus consensuel. Oui, parce que en fait, ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de commercial plutôt que du consensuel, comme vous le dites. Les marques de niche se retrouvent de plus en plus vers le mainstream. La niche, c'est un peu comme ci, comme ça. Il y a C'est vrai, c'est ce que je vois. Je vois une tendance de où avant, il y avait vraiment la niche et vraiment la fine fragrance. Et aujourd'hui, un peu la niche qui va vers la fine fragrance. Moi, c'est pas mon avis. C'est pas ce que je fais. Je reste vraiment vraiment différent. Je suis vraiment dans la niche pure. Vraiment les parfums osés, risqués. Je préfère vendre 10 000 flacons que 10 millions de flacons. Ah oui, c'est vrai. Et comment vous sentez ce contexte actuel quand il y a plein de parfums, plein de parfumiers qui sont des parfumiers d'un mois à l'autre, parce que maintenant on fait des écoles en ligne pour devenir parfumeur. Moi, je trouve ça un peu incohérent. Il faudrait mettre bon ordre. Il faudrait que la Société française des parfumeurs, on a aussi une société qui s'appelait SICP, où on doit justement veiller, un peu comme les architectes. C'est des architectes qui passent un diplôme, et on ne peut pas être architecte sans formation, comme on ne peut pas être parfumeur du jour au lendemain sans formation. Avec des écoles sérieuses, on a des écoles sérieuses comme l'ISIPCA, comme la Société française des parfumeurs, pardon, comme l'École supérieure du parfum, comme le Grass Institute of Perfumery. Ça, c'est des écoles très sérieuses et il y en a d'autres. Il faut un diplôme et c'est pas dans l'arrière-boutique ou dans la cuisine en mélangeant du patchouli avec du jasmin qu'on devient parfumeur. Non, non, non. Ça s'apprend. Et tous les métiers s'apprennent, mais on devrait avoir plus de rigueur et peut-être un diplôme européen, pourquoi pas. Oui, mais quand je vois maintenant la grande croissance, surtout de la parfumerie qui vient du monde arabe, c'est une explosion qui arrive aussi sur l'Europe. Je ne sais pas comment c'est en France, mais en Roumanie, c'est une explosion de la parfumerie soit dite arabe, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on comprend par la parfumerie véritable. Anna Maria, je vais souvent dans le Middle East pour chercher de l'inspiration. Et je trouve qu'ils ont un savoir très grand.
dans le Middle Oui. East, dans le sud de l'Inde aussi. C'est un peu la même parfumerie. C'est une parfumerie ancestrale où ils aiment les odeurs. C'est dans leur culture, c'est dans leur religion. Et j'ai toujours dit, depuis 15 ans, 20 ans, j'ai toujours dit, la parfumerie du Middle East va inspirer à un certain moment la parfumerie européenne ou la parfumerie américaine. Et c'est toutes les notes à base de oud, toutes les notes boisées, comme ça, ambrées, sèches, très puissantes. Moi, j'adore vraiment. Et c'est un style. Et d'ailleurs, dans mon light blue féminin, vous voyez, tous ces bois blonds, ces bois un peu électriques, ces bois un peu secs que j'ai mis dans le light blue. Et j'ai consciemment ou inconsciemment, parce que j'ai senti au Middle East, en Arabie Saoudite, à Dubaï, etc., j'ai senti qu'il y avait ces bois ambrés qui plaisaient beaucoup. Et je pense que leur parfumerie est très belle, elle est inspirante, elle est vraiment Oui. inspirante. Il n'y a pas 36 parfumeries aux quatre coins du monde. Il y a les Américains qui ont une parfumerie, soit ils aiment les notes très florales, les tubéreuses, un peu moins les fleurs d'oranger. Ils aiment beaucoup les notes maintenant gourmandes, yummy et aussi fruitées. Mais il n'y a pas une parfumerie brésilienne ou une parfumerie asiatique encore. Je dirais que la parfumerie européenne, ok, il y a la parfumerie américaine qui est un peu différente, puisque je viens de dire que c'est surtout sur les fruités, les notes pralinées, etc. Et la parfumerie Middle East, elle est très intéressante. Et on voit, ce sont des gens qui voyagent beaucoup en Russie. Donc, ils Oui. influencent le marché russe, ils influencent le marché anglais aussi. Moi j'adore, sachant qu'il fait très très chaud, ils veulent des parfums très lourds et qui résistent bien justement à la température. Et je trouve que quand ils marchent dans la rue, les hommes et les femmes, ils adorent les parfums, ils en ont 25 ou 30 chez eux, ils se baignent dans les parfums, ils Oui. investissent beaucoup d'argent, ils font brûler du bois de houde, du cipriole, etc. Ils mettent du santal, ils rajoutent de la rose, ils investissent beaucoup, beaucoup. Ils ont une culture vraiment, je le dis très sincèrement, très inspirante. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Le seul problème que je veux ici, c'est cette disons, les gens veulent avoir des choses qui viennent de Middle-Orient, mais il y a beaucoup de copies et du fake qui arrivent et qui passent pour la parfumerie arabe, mais ce n'est pas de la parfumerie de Middle-Est. Mais ça se passe assez souvent. Bon, comme dernière question, des projets pour cette année, si vous pouvez dévoiler un peu un parfum de plus dans la série Accro. Oui, alors on a fait 6 parfums, donc on a 2 aromatiques, Haze and Smoke. On a 2 gourmands qui sont donc, Oui. il y en a un, c'est Awake, et le chocolat, Nuit, chocolat. night. Non, non, et deux, on a Non. après, on a 2 autres fleuris. On a Malt et puis Night, d'accord? Et j'ai un trou de mémoire simplement sur le chocolat, sur l'accord chocolat, et qui est très bon aussi, qui est très très bon. Attendez, je vais regarder, je ne bougeais pas. Oui, excusez-moi, il s'appelle Dark, pour Dark Chocolate. Et donc c'est Awake et Dark qui sont des notes gourmandes, yummy. Et donc j'ai fait 6 parfums. La société existe depuis 3 ans. Et donc là, il y a un 7e, très joli parfum qui va sortir début avril.
On a eu des grosses commandes dans le monde entier. Tous les distributeurs sont en train de les mettre dans les magasins dans le monde entier. Et je n'ai pas le droit, j'ai signé un contrat où je dois respecter, si vous voulez, je n'ai pas le droit de dire ce que c'est encore, ni le nom. Ce que je peux vous dire, c'est un parfum. Le parfum est très nouveau. Ça ne sent pas comme le marché mondial. Je ne suis pas du tout le marché mondial. Et c'est une addiction. C'est une addiction, bien entendu. C'est une addiction que à peu près 25% à 30% de la population mondiale a. Une addiction à quelque chose. Mixte, c'est bien mixte. Et c'est très puissant. Ma femme le porte, moi je le porte. On a beaucoup de gens vraiment, qui dans les magasins, chauffeurs de taxi, etc. Qui nous disent, c'est pas tous les jours, toutes les 10 minutes, mais disons 5-6 fois par jour, il y a des gens qui disent, oh, mais c'est bon, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous portez? C'est très puissant, c'est riche, c'est une formule qui est très simple. J'ai mis 2 ans pour la faire. Voilà, donc il y a ce septième parfum qui va sortir. Peut-être j'en lancerai un huitième, peut-être en septembre. On va voir si on en lance deux cette année, mais ça sera aussi basé sur une autre addiction. Voilà, on essaie vraiment de faire évidemment des parfums qui ne ressemblent pas aux autres. Et je pense que le septième parfum que j'ai réalisé, c'est peut-être le plus beau. Ça va être difficile de faire mieux après. Ouais, vous verrez. Franchement, c'est un parfum qui me tient à cœur, et je pense que ça va être notre hero fragrance, notre pépite, sachant que le parfum qui se vend le mieux aujourd'hui chez nous, c'est Awake dans le monde entier. Partout, les gens adorent. En Russie, on a Haze qui marche très très bien. Haze, c'est le cannabis. Donc celui-ci, mais en général, quand Haze est premier, on a donc Awake qui est bien, qui est aussi numéro 2 en Russie. Mais généralement, dans le monde entier, on voit dans les commandes, c'est Awake. Hein. Vous voyez, dans d'autres marques, vous avez un Baccarat rouge qui tire la marque. Nous, on a Awake qui fait vraiment l'unanimité sur le café, un café cardamome qui plaît énormément. Voilà. Oui, Bien. oui. Bien. Et donc ce septième, on va l'avoir aussi en Roumanie, parce qu'on a, Oui. on a une seule boutique qui vend votre marque, c'est Botik. Donc Oui. en avril, on va l'avoir. C'est bon. Oui, tout à fait. Je sais qu'en Roumanie, on est uniquement dans une seule boutique. Malheureusement, moi, j'aimerais qu'on soit. Malheureusement, oui, malheureusement. Ouais, j'aimerais qu'on soit dans plusieurs boutiques. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous distribuer en Roumanie, parce que c'est un joli marché qui ressemble un peu au marché italien aussi. En Italie, on marche très très fort. On est dans 150 boutiques. Vous voyez? Ça marche très bien. Oui, je pense que le magasin en question, boutique en question, ils l'ont déjà certainement en stock et on va le vendre en 100 ml. On vend nos parfums maintenant en 5 ml et en 30 ml. Et on vend des Discovery kits de 2 ml. Et donc voilà. Discovery kit, on ne les a pas en Roumanie parce que j'ai demandé, j'ai voulu acheter. Bon, je vais commander sur votre site finalement, car bon, si on ne les trouve pas ici, mais c'est dommage. C'est ce que je voulais vous dire, c'est dommage de ne pas trouver les Discovery kit, car ils sont très Ça utiles pour. vient à Maria, c'est la boutique en question qui certainement voulait que les 100 ml. Maintenant, ils ont les 100 ml et les 30 ml. Mais effectivement, évidemment, il faut prendre aussi les 2 ml. 2 ml, vous avez 6 parfums, 7 parfums. Je trouve que c'est bien. Alors, vous pouvez les acheter sur le website français acrofragrances.com et c'est bien, c'est très pratique.
On vend beaucoup depuis la crise, on vend beaucoup sur le website comme un grand magasin. On fait un chiffre d'affaires comme un grand magasin. Et pareil aux USA, on a un website américain qui marche très très fort aussi. Ouais. Donc on est content, on est très content. Super. Voilà. Bon, je vous remercie encore une fois Merci, pour cette Mireia. interview. Et Plaisir. bon, si vous arrivez en Roumanie, j'espère d'avoir la chance de vous voir aussi. Je ne suis jamais allé en Roumanie, mais je sais que c'est un très beau Jamais? pays. Jamais, jamais, pas la Roumanie. Je ne connais ni la Grèce, ni la Roumanie. Vous voyez, et c'est un pays que j'aimerais bien entendu visiter, la Roumanie, bien sûr, bien sûr. Faut faire un tour. La Grèce et après vous montez vers la Roumanie. La Roumanie. Bon, bah écoutez, ça m'a fait très Merci. plaisir de discuter avec vous. À bientôt, Bon. Anna-Maria. Au revoir. Bye. Merci.